L'islam est une religion millénaire de plus d'1,4 milliard de fidèles de par le monde. Les islamistes instrumentalisent l'islam et les musulmans à des fins politiques. L'islamisme a désigné la République comme son ennemi. Nos concitoyens musulmans qui vivent leur foi en paix n'ont rien à voir avec les islamistes. Dans son combat contre l'islamisme, l'État fait bien la distinction avec l'islam. Les tenants de l'islam politique ont un projet: fracturer la société et fragiliser les valeurs universelles et humanistes. C'est une idéologie politico-religieuse qui affirme que ces lois sont supérieures à celles de notre pays. L'islamisme a la volonté affichée et revendiquée de passer outre les lois de la République et de l'ennemi. Ce séparatisme islamiste vise à créer une communauté à l'intérieur de la communauté nationale. L'islamisme veut faire vivre les musulmans en opposition dans une logique conflictuelle. Les islamistes érigent d'autres valeurs pour développer une autre société. L'État est déterminé à lutter contre tous ceux qui veulent attaquer la République. La République protège tous ses citoyens, dont les Français musulmans, afin qu'ils vivent en paix et sereinement. Ce qui nous rassemble sera toujours plus fort que ce qui nous sépare.